Hey, bonjour les copains. Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière, nous sommes en direct du Havre. Il est un petit peu moins de 8h, il caille, il fait un peu moins de 10 degrés. Mais aujourd'hui c'est notre première sortie en haute mer. Donc là je suis un petit peu impatient, je suis un petit peu anxieux aussi pour dire voilà qu'est-ce qu'on va découvrir et autres. Mais ça va bien se passer. En tout cas on va aller sur essayer de repérer tout ça parce que pour l'instant on ne connaît pas la haute mer, donc on a quelques spots mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. On va essayer de se faire plaisir, on va essayer de vous raconter tout ça. Et je vous dis à plus tard pour vous raconter un petit peu tout ce qui se passe dans la journée. Ciao 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 et à très bientôt les gars. Avec un voleur. Putain, j'ai percé là. C'est pas grave, laisse-le, occupe-toi du bar. Occupe-toi du bar. On dirait bizarre. Bah non, je suis piqué dedans. Beau bunker. Celui-là, je peux te dire que. Fire Hill. T'étais sur l'épave là ? Ouais. J'ai rien à voir. Il enchaîne GG. Attention, tu frottes en dessous. Oh putain, il a cassé. Il enchaîne GG. Elle va mieux, donc allez s'asseoir. Alors moi je veux vous faire admirer aujourd'hui un GG déceptionné. Alors GG, un petit commentaire. Cette pêche a été comment? Je voyais bien le 80 là. Ouais, bah nous on l'a pas vu en tout cas. Bonne journée. Alors la journée, on dirait qu'elle était comment les gars? Super, super. Bonne, très bonne. Zoé n'est pas là, parce que Zoé, elle dit toujours que c'est bon, même quand c'est pas bon. Là, c'était vraiment bon. Désolé ma Zoé. Une belle journée, c'était notre première journée hauturière. Donc on a passé quand même pas mal de temps à explorer, à voir sur les points, notamment d'épave, pour trouver des zones de pêche. Bon, très clairement, on est arrivé sur la première épave ce matin, première dérive. Un superbe bar, malheureusement, qui me décroche juste à la surface. Dire autour de 75, un truc dans le genre, peut-être plus haut, mais bon, en tout cas décroché. Ouais, 90, ça a dit GG. Donc GG, hop là. 90 a dit GG, donc GG a toujours raison. Donc record du monde, hein, merci, c'est pour moi. Bref, donc ça c'était le premier, et en fait les dérives se sont enchaînées un petit peu de la même façon. On a été prospecter une autre épave, on a trouvé un petit peu de lieux, rien de très gros, et d'autres bars, et puis voilà, on a bougé sur plusieurs épaves, et une très belle journée. Donc les leurres du jour, hop, le premier,
Je pense que c'est celui-ci où j'ai fait moi le plus de bars. Donc le Swatchad. Là on était quand même sur du grammage 50 voire 60 grammes, hein, puisqu'on on était autour de 40 mètres de fond aujourd'hui. Et le deuxième, donc mon chouchou, le Fire Hill. Et j'ai enfin pu sortir mes petites couleurs roses que j'adore. Voilà, et aujourd'hui ça tapait bien là-dessus. Preuve dans ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, que en effet quand on commence à arriver mi-août, fin août, on peut commencer à sortir des couleurs flashy, ils ont l'air de mieux répondre là-dessus qu'en début de saison. Voilà, en tout cas pour nous c'était superbe. Maintenant on a une grosse heure de route pour rentrer au port, c'est les aléas du hauturier. On reviendra, on vous refera d'autres films. Alors, un petit bout de vidéo qui n'était pas prévu. Et pourquoi il n'était pas prévu celui-là? Eh bien parce que nous sommes en panne d'essence, en hauturier, à 15 000 du bord. Vive la vie! Donc je sais pas comment on va se dérouler la suite. En gros, on attend la SNSM. Il y avait bien quelques chalutiers dans le coin, mais bon, apparemment, ils n'ont pas envie de nous aider. Donc voilà. Bah écoutez, ça me fera une petite vidéo à vous faire. Je vous raconterai comment on se fait sauver par la SNSM quand on a un souci technique. Galère, galère! Et voilà notre petite galère. Donc remorquage, ça fait déjà une heure et demie que nous y sommes. On arrive pas loin du Havre. Vous avez donc là-bas la navette de la SNSM qui est en train de nous tracter. A priori une avarie moteur, je ne sais pas trop. Bref, on est dans la galère. C'est sympa, ça fera une expérience, puis ça vous fera une petite vidéo. Et en plus de ça, ça me permet de profiter du coucher de soleil. Mais franchement, si on avait pu éviter cette petite péripétie pour nous gâcher une journée qui était magnifique avec plein de poissons, plein de fiches, eh bien ça aurait été quand même nettement, nettement mieux. Voilà, c'est ça aussi la pêche les copains. Bougou bougou. Maintenant, on n'oublie pas quoi? Le petit pouce! Ils sont bons! Parce qu'il aime ça! J'ai plus rien à dire. Le petit pouce bleu, parce que j'aime ça et parce que j'adore ça. En dessous, toutes vos questions, commentaires, etc. Les engueulades. Voilà, les engueulades, n'hésitez pas. Ça arrive rarement, mais pourquoi pas. Je suis prêt à tout entendre. En tout cas, c'est toujours moi qui me fais engueuler. En tout cas, parce qu'il en faut un. En tout cas, je répondrai à chacun d'entre vous. Et on n'oublie pas de s'abonner. Et maintenant, je vous dis quoi? On dit quoi? Bougez les copains! Enfin, j'allais faire le décompte, j'ai même pas le temps. Bougez les copains et à très bientôt. Ciao, ciao! Bougez les copains, 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 bougez